nous sommes déjà venus il y a quelques mois ici, parce qu'il souhaite porter un message fort d'ancrage des départements d'outre-mer dans la République. Et moi, j'ajoute à cela que l'ancrage, ça commence par ce que j'appelle, à tort ou à raison, un ancrage charnel, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se voient, s'écoutent, se parlent, dialoguent, apprennent les uns des autres. Et c'est l'objet de cette visite, d'entendre beaucoup, de porter aussi le message de François Fillon, bien entendu, mais aussi d'écouter. J'ai vu beaucoup d'élus, que ce soit en Guadeloupe, à Saint-Martin, avec mon ami Daniel Gibbs, ou ici même. J'ai vu beaucoup d'entreprises, soit des groupements, comme c'est le cas ici, soit des artisans, comme ce fut le cas ce matin, pour écouter un petit peu et conforter un peu notre diagnostic, parce que c'est bien d'avoir des idées, c'est mieux quand elles sont justes. Et pour être sûr qu'elles soient justes, il est déterminant, capital, important de valider les choses, c'est-à-dire d'écouter ceux qui sont aux premières lignes, d'écouter les acteurs pour vérifier que les idées que nous avons pour régler un certain nombre de questions ou satisfaire, comme je viens de le dire, un certain nombre d'ambitions sont les bonnes. Et puis si elles sont pas les bonnes, pour entendre qu'il y a autre chose à dire, de complémentaire, de différent, voilà. Et c'était typiquement le résultat de cette conversation de ce midi, où j'ai eu le plaisir et la chance d'entendre un nombre important d'acteurs économiques, de différents secteurs économiques, qui ont validé par leurs interventions un certain nombre d'options, tout en enrichissant le propos par leurs expériences personnelles et leur vécu ici localement.